Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 31 de Coin du Blu-ray. Épisode 31, donc consacré à la lettre O, et ça sera le seul, parce que j'ai que deux films dans la lettre O en Blu-ray, et l'autre, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Et Once Upon a Time in Hollywood, il est très très récent, donc je ne verrai pas vraiment l'intérêt de vous l'évoquer. Donc, du coup, j'ai décidé de me pencher sur un classique du cinéma, une grande œuvre. Un film dont j'ai plus vraiment besoin de rappeler la puissance et la générosité, tant il a réussi à marquer les esprits, et tant encore aujourd'hui, il est très facilement cité comme l'un des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma. Il s'agit de Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, monument dont on n'a plus besoin de rappeler la grandeur, et je pense que cette vidéo sera courte parce que ce film est exceptionnel. L'histoire, elle est très très simple, c'est celle d'une jeune femme qui va se rendre en campagne anglaise pour aller... Il y... Non, en campagne anglaise, en campagne américaine, je dis des bêtises. En campagne américaine pour livrer des oiseaux à un certain Mitch. Et ben, je vais pas vous dire ce qui se passe après. Parce que ce serait du spoil, même si le titre est assez évocateur. Ce serait quand même du spoil de vous raconter ce qui se passe pour ceux qui n'ont jamais vu le film. Les oiseaux. Les oiseaux. J'aurais presque juste envie de vous dire de regarder le film pour comprendre à quel point il est grand et imposant. Allez. Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, c'est un des premiers gros chocs d'horreur que j'ai connu personnellement. C'est l'un des premiers films d'épouvante que j'ai regardé en étant quasi fasciné de la première à la dernière minute par la maîtrise à la fois de la mise en scène, mais également par la maîtrise de l'épouvante. C'est un film qui surprend lorsqu'on le regarde la première fois, parce que ça n'est pas un film qui est grandiloquent dans ses effets, et c'est peut-être un anti-psychose en termes de composition. Dans le sens où Psychose, je le trouve impressionnant, mais pour des raisons quasi opposées à celles de Les Oiseaux. Les Oiseaux, c'est un film qui prend son temps, qui place un contexte, qui joue sur une ambiance, et une ambiance la plus sobre possible. Psychose, à côté, c'est un film qui veut vraiment aller dans une espèce de radicalité, une espèce de frontalité. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'effets de mise en scène, il y a beaucoup d'effets de caméra, il y a beaucoup d'effets de jeu de lumière. C'est tout plein d'effets en fait qui construisent l'ambiance et qui construisent la puissance du film. Là, Hitchcock, il sait qu'il peut se reposer sur la couleur de son long métrage, chose qu'il n'avait pas sur Psychose. Donc là, il se sert du plus d'éléments possible, de le plus d'effets imaginables pour jouer sur quelque chose de très suave, de très simple, de très juste. Je pense à un truc tout bête, mais l'une des séquences où on a le personnage principal qui va se poser sur un banc et tout doucement la tension va monter sans musique, sans effet, sans abus de mise en scène, simplement par un jeu de montage où les oiseaux vont simplement venir se poser un à un derrière sur le jeu qui se trouve dans la cour de récré des enfants. Et bien cette séquence est une démonstration parfaite que Alfred Hitchcock est non seulement un maître du suspense et de l'horreur, mais est également capable de totalement se renouveler et d'adapter sa mise en scène en fonction de ce qu'il a envie de raconter. Et rien qu'avec ça, et ben je suis fasciné par ce long métrage. Vraiment. Je suis fasciné parce que je le trouve assez imposant, assez fascinant, très bien joué, même si c'est un jeu d'une certaine époque, il est très bien joué ce film. Et tous ces petits effets-là, tous ces petits éléments, toutes ces petites choses qui construisent l'ambiance et la puissance de Les Oiseaux font que c'est un monument du 7e art. C'est tout ça en fait qui rend le film assez fascinant et je dois avouer que je l'ai vu donc quand j'étais jeune. Et quand je dis jeune, c'est-à-dire 13 ans, sachant que le film a une interdiction moins de 12, pour moi c'était un peu voir le Saint Graal, un film avec une interdiction. J'ai été tétanisé. Mais réellement, j'en pouvais plus, j'avais peur. Mais j'avais peur comme c'était pas permis. Et il m'a fallu un bon petit moment avant que je le remate. Je l'ai rematé une fois quand j'ai eu 20-21. Et je l'ai rematé tout récemment par pur plaisir lors des derniers confinements. Et vraiment, c'est un film qui en impose. C'est un film qui a une putain de gueule. C'est un film qui, je trouve, à chaque scène, arrive à se renouveler. Arrive à nous surprendre. Et encore une fois, il y a cet élément très simple, mais que je trouve très révélateur de la générosité du film, c'est qu'il n'y a pas une seule musique. Le film n'a pas une seule musique, hormis une petite comptine chantée par les enfants qui va vous terrifier si vous voyez le long métrage, mais sinon, pas une seule musique du début à la fin du film. C'est saisissant. Et au-delà d'être saisissant, je trouve, ça donne de la puissance au long métrage. Parce que tout est dans le cadre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus besoin d'effets extra-diégétiques pour réussir à faire en sorte que le spectateur soit tétanisé. Pas de jumpscare ou autre chose comme ça. Simplement une peur viscérale qui va gangréner le cadre. C'est toutes ces petites idées-là qui, je trouve, font la force et la puissance de son métrage. Bon, évidemment, il y a aussi Tippi Hedren,
qui est juste extraordinaire. On peut citer également Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, qui portent vraiment tout le film. Et je trouve, à eux quatre, ils arrivent à faire quelque chose. Bon, Tippi Hedren, son jeu est particulier. Et j'ai conscience qu'il y a quelques spectateurs qui vont regarder le film, et vous allez revenir dans les commentaires, vous allez me dire « dis donc, Tippi Hedren, elle joue un peu comme une brêle. » Je pense pas qu'elle joue comme une brêle. Elle a un jeu, c'est particulier, faut apprécier. Et moi, je trouve que ça reste quand même très intéressant, comment elle joue son personnage. Elle a un petit côté blonde niaise, mais qui fonctionne très très bien. Et je trouve vraiment, ça rend le film assez impressionnant. Parce que du coup, voir un petit peu ce côté niais confronté à une telle violence, c'est pas si déconnant. Mais ouais, c'est vraiment un très très bon film. Niveau bonus, alors là, ce film-là a des super bonus. Cette édition 50e anniversaire, elle est remplie de bonus. Vous allez avoir plein de trucs. Vous allez avoir la restauration du film. Vous allez avoir le travail de la peur. Vous allez avoir des scènes coupées, etc. Des entretiens. Enfin, il y a tout ce qu'il faut sur ce Blu-ray pour vraiment justifier la phrase de fin de cette émission. C'est vraiment bourré de bonus. C'est un plaisir à regarder. C'est juste génial, Universal. Ils n'ont pas été radins là-dessus. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, ouais, si vous n'avez jamais vu Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, déjà, pardon. Non, je plaisante. Mais surtout, foncez. Vraiment, regardez-le. Je pense que c'est un monument de l'épouvante et de l'horreur, un thriller hors norme. C'est maîtrisé du début à la fin, c'est fascinant à regarder. C'est un pur plaisir pour les amateurs du genre. Regardez Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, c'est une perle. Ainsi s'achève cet épisode 31 d'Au coin du Blu-ray. Encore et toujours, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'ailleurs quel est votre film préféré d'Alfred Hitchcock. Je pense que pour certains, ça va être Le Crime était presque parfait, pour d'autres, La mort aux trousses, pour d'autres, Psychose, peut-être Pas de printemps pour Marnie, je ne sais pas. Je verrai bien en lisant vos commentaires. Et d'ici là, je vous dis ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.